Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus. Avant de discuter de ce que je vais vous filer, j'aimerais remercier une fois de plus l'ami JMC19 qui m'a envoyé ça, qui est un truc pour regarder les épaisseurs. Ça va vachement me servir pour le travail du cuir. Un grand merci à lui. Avant de nous intéresser au sujet du jour, pas mal de choses. Comme vous avez vu, j'ai fait un peu de peinture à l'intérieur de la grotte et à l'extérieur de la grotte, et c'est pas encore fini, il y aura d'autres trucs. Il y a aussi de l'organisation à l'intérieur, ça j'y reviendrai dans un épisode d'un vlog. Aujourd'hui, il y a de ça quelques jours, j'ai acheté une nouvelle tuture. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que ma première barbue mobile, c'est un gentil barbu qui me l'a donné il y a de ça quelques années. C'est une Clio rouge, date de première immatriculation 1993, et elle m'a bien servi, mais elle commençait à être beaucoup moins fiable, et surtout j'avais envie de faire des trajets un petit peu plus longs, et donc je suis parti en quête de la barbue mobile V2. J'ai longtemps hésité sur le modèle, sur qu'est-ce qu'elle devait faire ou pas faire, etc., et avec une grosse contrainte qui était le budget, entre 1000 à 1500 balles. Et le week-end dernier, l'ami Silouane est venu avec moi, on est allé regarder une petite tuture, en fait un tank, qui correspondait à mon prix et qui me plaisait beaucoup. C'est une Volvo 960, donc on change complètement de registre. De la petite Clio, on passe à un tank de l'espace, qui en essence, en boîte automatique, alors oui, c'est un moteur 3 litres, donc c'est un monstre, ça va consommer beaucoup. Qui va m'obliger à changer un peu mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire avant, j'allais un peu en voiture partout, puisque la Clio, elle consommait pas des masses. Là, je pense que je vais ressortir mon vélo, et je vais l'utiliser pour les trajets moyens ou longs. Il n'empêche, j'ai toujours ma barbue mobile V1, qui aujourd'hui ne me sert à rien. Et donc, je vais la donner à un gentil barbu. Alors bien sûr, je la donne dans l'état, le contrôle technique a failli passer, mais a pas passé, donc faudra le faire, le contrôle technique. Il y a une petite réparation à faire, je pense, sur le volant ou sur l'arbre de direction. Elle roule, elle fait des bruits un peu bizarres, donc je conseille pas des longs trajets. Je pense qu'il y a des roulements qui doivent être un peu morts et à changer, donc c'est pas un cadeau entre guillemets, puisque il risque d'y avoir des frais. Mais si vous êtes un peu débrouillard, que vous avez accès à une casse, que vous avez accès à un atelier où vous pouvez éventuellement la réparer, ça peut valoir le coup. En tout cas, moi je la donne. Et quels vont être les critères de sélection, entre guillemets? Un, faut venir la chercher chez moi. Donc à Massy, dans le 91, en région parisienne. Et deux, faut m'envoyer un petit mail sur lagrottedubarbu@gmail.com. Moi, pourquoi vous voulez cette tuture? Alors, un point important, elle n'est pas là pour être revendue ou pour être balancée à la casse, c'est vraiment pour être utilisée par un gentil barbu qui en a besoin. Envoyez-moi un petit mail, lagrottedubarbu@gmail.com, dites-moi pourquoi vous aimeriez cette voiture, et premier arrivé, premier servi, voilà. Il faut venir la chercher avant le 1er août. Vous avez une semaine pour venir la chercher. Et c'est à peu près tout. Je vous ferai, bien sûr, je vous filerai la carte grise, le certificat de non-gage, enfin bref, je préparerai tous les papiers. Et vous pourrez repartir avec une voiture presque pas neuve. C'est tout pour ce Noël des barbus. Une voiture, hein. Alors c'est aussi le principe, on me l'a donné, donc je vais pas la vendre, puis je vais la vendre combien? Je vais la vendre 50 balles, ça sert à rien. Donc je la donne. Très bientôt, des nouveaux épisodes, et des nouveaux mini-épisodes et des nouveaux vlogs qui arrivent. C'est un peu plus long que prévu, parce que c'est des épisodes un peu plus ambitieux, donc ça prend un peu plus de temps à faire. Mais en tout cas, ça arrive dans les prochains jours. Comme d'habitude, des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description. Bien sûr, laissez un commentaire, évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout. Je donne mon ancienne voiture. Qui n'en veut, envoyez-moi un mail. Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.